Je suis bien contente d'être venue de tout ça. Et comment tu fais pour dire des affaires de même? Tu t'es pas sentie soulagée quand elle est partie? J'en ai marre d'être enragée, Madeleine. Crie-moi, Martine. Mais on t'interprète pas. On se souvient. Approche pas, toi. Je savais pas, Martine. Touche-moi pas, lâche-moi. C'est de la rage. C'est de la rage, Madeleine, je suis une enragée. Regarde la grandeur de ce ciel. Mais la grandeur de ce ciel n'arriverait pas à contenir ma rage, Madeleine. Est-ce que tu te sens pas, des fois, Madeleine, comme dans un trou, comme dans un tunnel, comme dans une cage? Une cage, tu connais ça, une cage? Avec tes parents, Madeleine, tes parents qui t'empêchent de sortir, parce que c'est toi qui es dans la cage. Ah, les hommes. Mais c'est eux autres, Madeleine, eux autres, pas nous autres. J'ai frappé, Madeleine. Oh, à quoi ça sert de vivre? On devrait avoir un droit à une deuxième vie. Oh, on est tellement mal faite qu'on ferait probablement pas mieux. Il s'éloignait de moi, tout en exigeant que je sois toujours là. Je le regardais. Oui, je le regardais devenir fou. Vous avez sûrement des raisons de les haïr, les hommes. Moi, j'en ai pas. Je pense que j'aime mieux un petit bonheur médiocre qu'un grand malheur tragique. Ah! Mais si je les avais étranglés tous les deux quand j'ai vu qu'ils étaient pas normaux! Dans une minute ou deux, le monde va s'écrouler sur mes épaules. Et puis le monde s'est écroulé sur mes épaules. Quand j'ai vu sa face toute boursouflée, taches de sang partout, la blancheur de sa peau, vont te guérir de tout. Sauf de tes souvenirs. Une femme vide voit une télévision vide dans une chambre vide qui sent pas bon. C'est dit ça qu'on appelle une vie bien remplie.